Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour les suites du Wakfu sur Yakuza 6. Donc c'est pour l'épisode, alors si je dis pas de bêtises, c'est le 35. Donc je vous rappelle que la dernière fois du coup on avait essayé de commencer à décrypter le code que Bigelow de la Triade Salo nous avait transmis. Donc il nous avait transmis, donc on a examiné 9 pierres de poèmes dans toute la ville, et on en a conclu que c'était pas un hasard, hein, c'était ça correspondait au même nombre de lettres que le code. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est retourner au bureau des Hirose et leur tenir au courant de cette nouvelle, et on va voir ce qu'ils en pensent. おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑をすべて回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した証拠に区碑をすべて写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら 例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は 10編者1句の 7番目の文字、 海。 B7 は 芭蕉の 7番目の文字、 軍。 残りも全部当てはめると海軍水兵山名道代の墓。海軍水兵山名道代の墓、それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか。そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。桐生兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。 Allez, donc c'est parti, du coup, il y a déjà des trucs qui trompent pas dans le code, hein. Donc on va aller sur place pour découvrir si on a raison, mais c'est bien qu'on est plutôt sur une bonne piste. Alors, par contre, je vois que mon petit témoin a disparu, je vais quand même le remettre, je sais pas s'il va rester, mais on verra. Donc on va aller au cimetière, et donc aller sur la tombe, hein. La tombe, pardon, pas sur la tombe, c'est pas tout à fait pareil. Voir si bah y a pas un secret planqué sous terre. これじゃ、海軍水兵山名道代と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、バチなんて当たりませんって。それじゃあ行きますよ。何かあったか。ん？奥に何かある。キリの兄貴、こんなもんが出てきよったで。昔の石見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。
牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。桐生の兄貴、半巡儀を追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れてええんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。Donc du coup, direction le quai, et on va retourner apparemment sur le chantier naval, mais apparemment l'ancien chantier naval, là où ils faisaient les bateaux à l'époque de la guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, c'est pas tout jeune. Mais en même temps, on se doutait bien que le secret avait un certain âge déjà. Donc on va emprunter le bateau d'Ino, comme d'habitude. Pour nous rendre là-bas. On se doute bien que ça va pas être si simple, puisqu'on va forcément nous barrer la route. Donc ça va être une vidéo riche en combat et surtout en cinématique et dialogue. Donc on va dire qu'on est prêt, c'est parti. Iko. Hey. Aniki, Iwami no Zousenjo yutara, buchi hiroi shikichi ya ke. Sakki toita angou no sasu basho ga machigototta na, mou oteyage ja. Hoka ni tegakari wa ne nda. Tonikaku itte minakiriya hajimaru ne.暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで、結局尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、ローも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで兄貴。あんならまた本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。Allez, let's go. On va affronter les premiers hommes de l'Alliance Yomei. On va dire qu'il y a aussi certainement des mecs de la construction navale, hein, vu qu'ils sont habillés avec un casque de chantier et puis un bleu de travail, mais ils font partie de l'Alliance Yomei. Hein.Il est énervé lui, il m'en veut je crois. Allez hop, plouf.
On voit que nos collègues sont un petit peu dans le mal, mais on arrive au bout. じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。Allez, on y va. Je vais peut-être me soigner un coup parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. Donc c'est là le moindre coup, à mon avis, je vais vraiment prendre très cher.À prendre un petit truc comme ça, je pense. Hop, en plus, ça soigne super bien. J'ai bien fait d'acheter tout ça parce que là, pour ce type de combat et tout ce qui va nous arriver, c'est bien d'être bien blindé de soins. Hein. Un petit raccourci. Un petit peu dangereux quand même, mais bon. On n'est pas ça pris, hein, vu tous les mecs qui nous tombent dessus. Au revoir. Merci d'être passé. On va faire pareil pour lui, c'est possible. Allez hop, tu dégages. Ah bah oui, ça fait tout drôle. La chute est violente, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait suicider le mec. Pas trop compris. C'est une drôle de stratégie, hein. Vous l'aurez compris, ici c'est très rapide les combats, hein. S'il suffit qu'on ait de la jauge de fièvre, on fait des hit action et on les dégage à 24 coups. Soigner un petit coup, parce que à chaque fois que je chope des objets, sinon je vais être plein. Ce qui est un peu dommage, du coup. Hop. Ah, c'est un XX. Je pensais que ça allait être encore un tout SNES. Donc là, sinon, il n'y a rien d'autre à première vue. Il n'y a plus de vie, hein, le pauvre Tagashira, là.
このエレベーターを使いましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃない。急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのめしたれ。Donc on continue sur notre lancée. Vous avez compris qu'il y a pas mal de combats et pas mal de zones à explorer forcément. Le chantier naval est assez grand. Putain, il est énervé, lui, il arrête pas de taper. Il va se calmer. Et il m'enchaîne. Je me fais défoncer. Ok, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je me fais un peu gangbang, mais ça va. J'ai quand même beaucoup de soins d'avance. Donc je vais en prendre un petit coup. On va prendre celui-là. Hop, comme ça, l'histoire de pas être à 5 sur 5. Comme ça, si j'en ramasse au cas où, c'est cadeau. Et vous savez très bien ce qu'on va faire. Y a-t-il une masse dans le coin? Sinon on va y aller avec les ponts, hein. Ça marche aussi. Bah tiens, la masse. Hop.兄貴たちは先行っててください。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おれ、お前らの敵はこのわしじゃ。ここは松永の兄貴に任せて先を急ぎましょう。わかった。 造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ、こいつをつけて使わせ。しばらく歩きますけ、ついてきて使わせ。Allons-y. Donc là, on change complètement d'ambiance, hein. C'est pas le même délire. Mais c'est bien, c'est cool, je trouve ça diversifie un peu le truc. Donc on compte sur Matsunaga et Nikki qui est resté en haut pour stopper les ennemis temporairement. Alors j'aime beaucoup ce lieu-là parce qu'en fait on pourrait se dire c'est juste un sous-sol, on s'en fout. Mais il a vraiment une ambiance particulière, déjà le fait que ce soit pas très éclairé et que ce soit mal avec une lampe torche, je pense que ça fait un peu... jeu d'horreur le truc, bon en vrai y a rien d'horrifique, hein, mais... Enfin, à part si on a peur du noir je veux dire, mais ça part ce détail, y a pas de volonté à que ça soit horrifique.
Mais il y a quand même une musique derrière que j'aime aussi. Il y a vraiment une ambiance musicale qui est très particulière dans ce passage. Vous avez compris que par contre là on n'a plus trop les troufions de base, hein. Là on voit que c'est que des mecs un peu en costard, c'est tous des yakuza quoi. Il n'y a plus mec de chantier, on voit qu'on est passé au stade supérieur et la plupart, si vous avez fait attention, ils sont tous équipés de couteaux quasiment. Et puis ils essaient de nous prendre en scred comme ça. Alors on voit que plus on avance, plus on va faire face forcément à des vagues d'ennemis plus coriaces les unes que les autres ou mieux équipés. Ils vont vraiment tout faire pour faire barrage en fait. Mais vous doutez bien que ça ne va pas suffire. Puis vous voyez déjà qu'il est bien plus énervé que les autres avec son katana, en plus il fait des enchaînements très rapides. わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せて使わさい。兄貴は高志らと先へ。わかった。おい悪い。本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、取れたけ。もっと死ぬ気でかかってこんかい。 頭が時間を稼いでいる間に早く。 封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。 Allez, on est remonté à la surface et du coup on va continuer sans Matsunaga ni Nagumo. Ce qui nous font gagner du temps, mais du coup forcément notre équipe est un peu plus réduite. Il ne reste plus que Tagashira. Et on va devoir faire avec. どうしても秘密をばらされたくないようだな。いいぜ。止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。来い。 Yeah.
soigner un petit coup. On a un petit royal, hop, comme ça on sera full en fièvre. Donc on évolue assez bien parce que mine de rien mon perso est quand même bien XP, hein, j'ai fait pas mal de quêtes secondaires et tout. Donc ça aide beaucoup, vous vous doutez bien. どこだ兄貴、こっちじゃ。暗号が指し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい高志、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太を牢と差し違えるように仕向けたんですか。ほどいてくれ。高城があそこへ行っちまう。あんたとのびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。どどけって言ったんだこの野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。
Donc c'est parti pour le combat contre Toru Hirose. C'était inévitable. Il fallait bien qu'on y arrive un jour. Donc c'est parti. Alors il est peut-être vieux, mais il faut quand même s'en méfier parce qu'il peut être très redoutable. Avec déjà là, la moindre de mes attaques, il est part tranquille. Donc le papy, il a encore beaucoup de ressources, donc faut pas du tout le sous-estimer. La musique est assez tragique, mais en même temps, on va en apprendre plus forcément sur ce personnage bientôt. Et par rapport aussi à ce qu'il a fait jusque-là dans l'aventure, où il semblait être un peu le grand-père très sympathique, quoi, qui était là pour nous et tout. C'est un peu une désillusion, forcément. Même si on essayait de relier les points, mais on n'y croyait peut-être pas encore vraiment. Malgré ce que Bigelow nous avait dit. Kiryu en doutait encore un peu. Mais là, je veux dire, il n'y a plus de doute. Donc voilà la seconde phase qui peut être très compliquée parce que monsieur va jouer avec la vapeur. Donc il faut faire très attention au QTE si on veut pas prendre tarif. Soigner un petit coup parce que vous voyez petit à petit il me grignote la vie. Allez, on reprend un soin.
Et il enchaîne, il commence à s'énerver de ouf. Oh oh. J'ai raté la QTE, il m'a planté la gorge comme jamais.踊れがこれを。 それを超える超大和型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。 終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は
計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦闇造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥員がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために闇造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたよな。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕とも言える存在となっていた。彼は裏の金で闇造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと。組織は戦艦建造に関わった闇造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして、いくら親の命令だろうが
別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺はグレン隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出してさ、闇造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ、気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。おい、おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。え、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中とグレン隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨ててうちへ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。
馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、あ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、あ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが岩見造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。なぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も国も終わる。無論私も終わりだ。何なんですかその秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから。ねえ、
親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、石見造船と陽明連合会を消し去り、広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず、生涯をかけて、それは確かに、中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。え？お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。ああ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下
仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん、なぐも、何をする気じゃ。おやっさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は、おやっさん。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやった。今さら日和よって。おやさん、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。すげえなあれ。俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、半ちゃん。親分、南雲。なんじゃ。松永、おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。
まさかおやすさんがわしらの父親を。ごめんな。Et donc voilà, on arrive du coup à la fin du chapitre 12, baptisé le géant endormi, et du coup vous comprenez tout le sens qu'il y a derrière ce nom de chapitre maintenant. Donc il y a énormément de choses à dire sur cette fin de chapitre, comme je l'ai dit, c'était très bavard, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Donc ça va être difficile de rebondir sur tout ça dans cette vidéo, sachant qu'on est déjà à plus d'une heure. Donc je vais reparler surtout dans la prochaine vidéo en début. Mais le truc par contre que je voulais dire du coup, concernant le fameux secret de Nemichi, la première fois que j'avais fait le jeu, moi je vous avoue, j'étais en mode ma mâchoire tombe. C'était en mode mais what the fuck quoi, c'était quoi ce putain de truc énorme, tu vois, et puis t'as l'impression que ça en finit pas, tu dis attends, tout s'écroule autour, il y a un truc qui va sortir du sol, qu'est-ce que c'est et tout. Quand tu vois l'engin, tu dis ah ouais, quand même, c'était pas un petit secret, quoi. Et en fait, au final, forcément, t'es surpris de voir ça, mais au final, quand tu vois le contexte du jeu, bah, ça prend tout son sens, en fait. C'est un chantier naval. Ils arrêtent pas de parler de secrets, d'après-guerre, etc. Donc en fait, quand tu mets tout bout à bout, c'est complètement logique qu'ils avaient carrément un cuirassé comme ça, planqué. Mais voilà, c'est vrai que la découverte, quand tu tombes là-dessus, t'es en mode ouais, c'est quoi ce truc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé, tu vois? Et c'est ça qui est vachement impressionnant. Et en plus, du coup, c'est tout ce truc-là, en fait, tout ce secret, cette histoire de bateau que normalement il aurait dû détruire, Takeru Kurosu, qu'il a décidé de garder pour faire pression sur Daidoji et du coup d'acquérir un certain pouvoir sur Hiroshima. Tout ça explique du coup la création même de l'Alliance Yomei, et pourquoi les réagissaient comme ça, et pourquoi ils restaient entre guillemets cloisonnés au secteur d'Hiroshima et qui n'ont pas décidé de marcher sur le territoire des autres, à savoir le territoire de l'Alliance Omi ou du clan Tojo. C'est pour ça que du coup, au début du jeu, quand Makoto Date disait qu'il fonctionnait un petit peu comme à l'époque du shogunat, c'est que les mecs, ils ont leur royaume, point, tu vois, c'est personne n'y rentre, c'est très secret, on sait pas trop ce qui s'y passe. En fait, tout s'explique, en fait, tout était construit autour de la protection de ce secret ultime, qui finalement, certes, a profité à faire prospérer quand même la ville dans son ensemble, mais ça a surtout profité à une seule et unique personne, à savoir Takeru Kurosu, ou dans son identité publique, Eizo Iwami, qui du coup lui s'est fait des couilles en or comme jamais. C'est comme ça aussi du coup qu'il a fait appel à la triade Sayo pour avoir des Chinois pour faire tout ça. Enfin, il s'est vraiment enrichi à mort, et ce qui est marrant, c'est marrant, je sais pas si c'est le terme, mais ce qui est intéressant, on va plus dire, c'est que le mec, on le voit bien là dans les cinématiques qu'on voyait dans le passé, plusieurs dizaines d'années dans le passé, que je trouve vachement intéressant, je trouve que ça fait partie des meilleures cinématiques de ce jeu, je trouve, par rapport à ce qu'il raconte, la manière dont c'est fait et tout. C'est que le mec, tout au long du truc, il te fait croire que son entreprise, elle est capital en fait à Hiroshima, et que limite tout ce qu'il sait et tout, c'est sans lui, genre le Japon il se casse la gueule quoi, tu vois. Et il arrive à faire croire ça à ses hommes, notamment Hirose. Il a un pouvoir de persuasion en fait qui est fascinant quoi. Alors qu'au final il révèle à la fin que finalement Daidoji lui a jamais dit de buter tout le monde, en fait. C'était juste pour son profit personnel. Ce qui montre quelque part aussi que certes, Eizo Iwami aka Takeru Kurosu est un personnage très intéressant, mais ça reste aussi, on va dire qu'il est dans le top du top des salopards, quoi. C'est le mec, il a perdu son humanité. Et c'est marrant, en plus,
de rebondir là-dessus, puisque quand on retourne, lorsqu'il a rencontré justement Hirose quand il était jeune, il disait « Tiens, vas-y, je vais veiller sur toi et tout, je vais faire de toi un homme. » Tu sais, t'as un côté un peu le père adoptif, tu vois, qui veut l'aider à sortir de la galère, etc. Et tu te dis « Bah, c'est un mec qui est vachement humain. » Mais par la suite, quand il tue l'ennemi de Takeru, de Hirose, pardon, et qui lui dit que je serais prêt à tout pour protéger le secret de Nomichi, quitte à perdre mon humanité, on est complètement dedans, quoi. Le mec, c'est devenu un monstre, juste finalement pour conserver un secret qui lui prodigue un pouvoir énormissime sur le territoire d'Hiroshima, et puis même, entre guillemets, sur l'administration japonaise, et il peut faire des choses que personne d'autre pourrait faire sans avoir connaissance de ce petit secret qui permet de voilà d'activer les leviers qu'on a envie. Donc ça, je trouvais ça fascinant. Donc voilà, et puis on rebondira peut-être un petit peu là-dessus dans la vidéo suivante, parce qu'il y a aussi un truc que j'aime bien, un parallèle à la fin, où on voit que Kazuma Kiryu est ému de ce qui se passe par rapport au fait qu'Hirose se fasse tuer par Takeru Kurosu, qui lui rappelle forcément, et nous aussi en tant que joueurs, Yakuza 1, avec Shintaro Kazama quand il meurt. On est vraiment dans le même cas de figure, en fait. Shintaro Kazama, c'est un assassin pour Dojima, et il a tué plein de personnes, y compris des parents de gens qui l'emmenaient, de gamins qui l'emmenaient après dans leur folinat des tournesols, comme vous le savez, pour veiller sur eux, mais il avait buté leurs parents, en fait. Et donc, du coup, t'avais cette relation père adoptif fils qui tenait la route, sauf qu'après, quand Kazuma a appris que finalement c'était lui qui avait tué ses parents, tu vois, il y a un truc qui est déstabilisant, tu vois, dans la manière dont tu construis, dont tu te construis pour devenir un adulte, et que tu te dis, ah ouais, ok, en fait, le mec que j'adore, que je considère comme un père, il a buté mes parents, c'est cool, tu vois. Enfin, je dis c'est cool, mais c'est ironique, hein, vous avez bien compris. Et là, c'est exactement la même chose pour Nagumo et Matsunaga, en fait. C'est que leurs parents, pareil, c'était des Aniki de Hirose, mais vu que Takeru Kurosu a donné pour mission de tous les buter parce qu'ils avaient connaissance du secret de Nomichi, il a dû s'en débarrasser, et du coup, à sa manière, comme Shintaro Kazama, il a veillé sur eux. Et du coup, il les a pris sous son aile, quoi, mais... C'est un peu le même cas de figure, en fait. Peut-être que Hirose est peut-être un peu plus... il a peut-être un dossier un peu plus chargé que Shintaro Kazama, enfin du moins de ce qu'on connaît en tant que joueur. Mais les deux personnages ont un profil très similaire, quoi. C'est deux assassins qui ont fait que respecter les ordres, quoi. Mais qui en même temps ont une certaine part de morale, notamment veiller sur les enfants des parents qui les ont tués, quoi. Donc j'aime beaucoup ce parallèle, et puis du coup on comprend aussi pourquoi Kiryu est ému à la fin, parce que forcément ça lui rappelle ça, et c'est quelque chose qu'il a déjà traversé, qu'il revoit devant lui. Donc ça a vraiment un fort impact, voilà. Donc du coup je vais sauvegarder ici, et puis on va s'arrêter là, parce que forcément ça va lancer la suite. En espérant que cette vidéo vous a plu, ça m'a pris énormément de temps pour la traduire celle-ci, hein, je vous cache pas, il y avait beaucoup de dialogues, mais c'était vachement intéressant. Puis il y aura d'autres choses de toute façon à rebondir sur les Yamato et tout. Parce que du coup, je m'étais un peu renseigné en amont. Bon, j'ai un petit peu oublié certaines choses, mais c'est pas grave, il y aurait quand même des choses à dire dessus. Donc il y a pas mal de choses intéressantes sur le sujet du Yamato, sur son histoire, d'un point de vue réel, hein, histoire vraie, quoi. Et par rapport aux inspirations qu'il y a eu dans le jeu. Donc ça va être des petits trucs sur lesquels je pourrais rebondir dans la vidéo suivante. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !